Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Alors aujourd'hui j'avais déjà attaqué un petit peu puisque j'avais fait une vidéo démo pour le stylo sans glu. J'ai donc attaqué le Diamond Painting en diamants spéciaux Monsieur et Madame Hibou. Bon, je continue à dire Hibou malgré que ça ressemble plus à des chouettes. De la boutique Mes Petits Diams, parce que dans sa boutique, Coralie a marqué Hibou. Voilà. Donc, je continue à dire Hibou. Voilà. Bon, je suis avec un pull, les manches, comme ça, parce que je suis dans ma pièce, dans mon atelier. Il fait un froid de canard. Coin, 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 coin. Mais on n'est qu'au mois de septembre et on a décidé, on tient bon, on n'allumera pas le chauffage. Pas question. Non. J'ai rajouté des couvertures sur le lit, rajouté épules sur le dos, et puis ça ira. Oh, il fait froid. Il y a une semaine, on mourait de chaud, et là maintenant, on caille. On se cacaille les miches. C'est bien d'avoir un pull à trop avec les grandes manches. On peut se cacher les mains. Donc voilà. Alors là, il n'y aura que deux parties pour ce Diamond Painting. Parce que bon, il est petit. Hein, c'est un 30-30. Enfin, c'est moins de 30-30. Et comme c'est un diamant spéciaux, ça va très vite à faire. Donc là, j'ai fait déjà Monsieur. Voilà. Monsieur Hibou est fait. Donc je l'ai fait en deux fois. Donc il y a une fois où vous le voyez, je suis en train de le faire, et la deuxième partie vous la voyez pas, mais vous le voyez en photo terminé. Sinon, ben là j'essaierai de finir demain. Je ferai peut-être Madame demain. Voilà. Il est très très beau. Il est nickel à faire, hein, comme d'habitude. De toute façon, les kits de chez Coralie, hein, de la boutique Mes Petits Diams, il n'y a jamais rien à redire sur ces kits. Ils sont toujours nickel. Je les adore, donc il n'y a aucun souci. Donc là, bon, oui, je pense que demain, je le terminerai, je verrai, suivant l'humeur. Si je ne suis pas trop gelée. Si on ne me retrouve pas demain en forme de glaçon ou en forme d'esquimau. Ouais, il fait un temps pourri. Bon, enfin nous, il pleut. Il y a un peu de vent, il pleut. Enfin, bon, je préfère ça que dans certaines régions. Ben, sûrement que là, vous êtes dans ces régions-là, certaines qui me regardent, où il y a 20 cm de neige au mois de septembre. 20 cm de neige au mois de septembre, après une semaine de canicule. Ouais. Il n'y a plus rien à comprendre. Hein. Sinon, bah, c'est tout. Hein. Voilà. C'est week-end. Du coup, on reste à la maison. On ne bouge pas. J'ai juste fait 2-3 petites courses qui manquaient dans le frigo ce matin. Et puis, ça a été vite fait. Je n'ai même pas été au grand supermarché. Je suis allée au Lidl. De toute façon, grand supermarché, il revient trop cher. Puis, nous, on a deux. Enfin, ce n'est pas des grands, grands supermarchés hein, qu'on a. On a un Match et on a un Carrefour Market. Voilà. Bon, Carrefour Market. Il n'y a pas toujours tout. Et puis, c'est un market, hein, voilà. Donc, c'est pas les prix comme dans le grand Carrefour. Et Match, ça m'énerve de plus en plus d'y aller. Parce que de moins en moins, on trouve les produits premier prix. Donc, ça m'énerve. Et moi, j'achète, pour ainsi dire, que de préférence que des produits premier prix. De toute façon, c'est la même chose. Hein. Et ils en mettent de moins en moins.
Donc, du coup, j'y vais vraiment de moins en moins. J'y vais vraiment quand j'ai pas trouvé à Lidl ou à Aldi. Voilà. Donc, ce matin, je suis allée à Lidl. Mais il n'y avait rien de spécial là-bas. Sinon, j'aime bien des fois regarder à Lidl dans les bacs, vous savez, les trucs qui vendent. Ben, les. Comment? Le bazar. Ouais, j'appelle ça du bazar. C'est pas. Et bon, il n'y avait vraiment rien de spécial qui m'intéressait, donc ça va. Tant mieux, parce que c'est la fin du mois, hein. Donc, vaut mieux pas qu'il y ait des choses intéressantes. Du coup, demain, c'est le marché en Belgique, mais vu le temps, hein, le marché, ben, il restera où il est. Voilà. Je ne vais pas aller me geler, me tremper la tête pendant le marché. Donc demain, c'est la maison et on ne bougera pas. Voilà. Sinon, bah ouais, demain, ce sera diamond painting, un petit peu de cuisine. Tout simple demain, la cuisine. Un petit rôti de porc, des patates et des flageolets. Je ferai même pas de gâteau parce que j'en ai trouvé à Lidl. Il y avait de la tropézienne. Donc, du coup, j'ai pris une tropézienne à Lidl. Donc, comme ça, demain, je ferai même pas de gâteau. Voilà. Pas envie. Et puis, c'est tout. Et puis, je ferai ma broderie. Voilà. Je suis sur le sale mystère. Pas le sale SALE, hein. Le sale S.A.L, voilà. Le mystère. Donc là, on en est maintenant à la deuxième étape. Voilà. Donc, je vais certainement terminer cette étape ce week-end. Avant de continuer un petit peu mon autre broderie que je fais entre deux. Et j'ai toujours pas décidé pour tricoter un pull. Il faudrait que je m'en tricote un, mais j'ai toujours pas trouvé un modèle vraiment qui me. Enfin, c'est pas vraiment un. C'est pas. Je trouve des modèles qui me plaisent, mais il faut que je trouve un modèle qui va avec les pelotes que j'ai. Voilà. Là, c'est plus compliqué dans ce sens-là, puisque j'ai pas. Comme j'ai beaucoup de pelotes, j'ai pas envie de racheter de la laine alors que j'en ai. Donc c'est dans ce sens-là, c'est plus compliqué d'adapter un modèle. Mais bon, je vais trouver. Et pour ça, là, j'ai un vieux pull. Vous voyez? Il est tout. Comment tout bouclé, je ne sais plus comment on dit. Il est tout vieux, tout vieux. Mais bon, tout vieux, mais acheté l'année dernière, mais il est déjà mort. C'est rien. À la maison, ça, en marchant vite, ça se voit. Donc voilà, je vais vous laisser visionner donc cette petite vidéo avec Monsieur Hibou, qui est très beau. Et puis je vous dis demain, ouais, je pense que je ferai demain Madame Hibou, je verrai. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Malgré que là, bon, il est déjà bien entamé, hein, parce qu'il est quelle heure? Il est bientôt 16h, on est samedi, donc ben, le week-end est déjà bien entamé. Et puis, on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles. Un, deux, trois, on recommence. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.
Thank you.